la politique de l'âge, est un peu le creuset de cette politique du CARE, puisque il est tout à fait désirable et nécessaire que ces âgés soient entourés de sollicitude, ce qui est la meilleure traduction de CARE. Mais vous savez, moi, j'aime bien que tout cela ait de la réciprocité. Ce n'est pas une personne qui est aidée et les autres qui sont autour d'elle pour se pencher vers elle. C'est toujours une relation de réciprocité. Et moi, j'utilise souvent aussi le terme de reward, c'est-à-dire qu'on reçoit à la mesure de ce qu'on donne. Tout est difficile parce que, bien sûr, il y aura le besoin d'un financement important pour que la loi puisse changer concrètement la vie des Français. Mais deuxième chose, il y a la difficulté entre inscrire dans la loi, qui est obligatoirement normative, c'est des règles d'une loi et des droits, mais et en même temps respecter et favoriser les initiatives personnelles qui fleurissent partout et qui sont extrêmement importantes, ou les initiatives des collectivités. Donc il va falloir édicter des bonnes pratiques pour faire que les Français soient également bien traités, mais en même temps laisser un champ de liberté. La loi Borloo n'est pas un grand promoteur du CARE, hein, en tout cas du CARE bénévole, enfin du CARE non lucratif, j'en suis d'accord. Mais il y a aussi une autre approche, et je crois que c'est celle que nous devrons prendre, c'est de mettre de la République dans les structures lucratives, c'est-à-dire des possibilités de contrôle, là aussi l'édiction de bonnes pratiques pour que les secteurs puissent partager, non peut-être les mêmes valeurs, en tout cas je le souhaite, mais en tout cas les mêmes pratiques, et parce que toutes ces structures bénéficient d'argent public. J'ai la volonté de faire que tous apportent un service décent et même de qualité aux personnes âgées.